Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Destination Rentier. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour vous décrire un petit peu le livre que je vous recommande. Hop. Voilà, c'est le livre de Robert Kiyosaki, donc Père riche, père pauvre. Donc c'est un livre qui m'a aidé vraiment à évoluer, à grandir par rapport à mes investissements immobiliers. Donc cet auteur nous parle de ses deux pères qu'il a eus, son père. Son vrai père, tout simplement, et son autre père qui lui a appris un petit peu comment investir dans l'immobilier. Donc, je vous explique rapidement. Son père vivait en fait, voilà, simplement du système. Il préférait en fait, à travers le biais de sa société, évoluer et franchir les paliers tout doucement. Et son autre père, en fait, son père investisseur, lui a appris un petit peu comment investir en faisant et en entreprenant, comprendre et entreprendre, tout simplement. Donc, c'est un gros pavé, hein. Moi, je l'ai lu tranquillement sur la plage, en train de profiter, voilà. Et je continue à le lire aujourd'hui. Je le lis en fait tout simplement en regardant les chapitres qui m'intéressent. Voilà, hein, quand je me dis, je réfléchis trop, j'ai besoin un petit peu d'inspiration, je regarde un chapitre, je me dis, allez là, ça c'est bon, c'est ce qu'il me faut pour pouvoir mettre des choses en place et j'applique. Voilà, action, réaction. C'est un de mes responsables qui me disait ça. Action, réaction. Donc ça, c'est du bon coaching, on va dire. Donc je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore dans votre bibliothèque. Il coûte pas très cher, environ une trentaine d'euros. Et vous pouvez le trouver partout. Donc c'est important de s'instruire, ça on le sait pas forcément. Et l'éducation financière, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas à l'école. Donc vous pourrez aller partout en fait, que peu importe ce que vous avez fait comme études, l'éducation financière en fait, celle-là, on l'apprend pas à l'école. Et je vous conseille vivement de vous instruire avec les livres. C'est quelque chose qui pourra vous permettre d'avancer au fur et à mesure et de grandir. Voilà, voilà. C'est pas une course, encore une fois, je le répète, c'est pas une course de fond. On prend le temps, on s'instruit et après on met les choses en place. C'est le seul moyen de ne pas se brûler les ailes. Voilà. Et le coût d'investissement pour moi, voilà, c'est un livre. Hein. Voilà, y en a qui achètent des livres de cuisine et ça, c'est à peu près la même chose. Hein. On prend ce livre de cuisine, on met les ingrédients et on met les choses en place. On ne laisse pas dans la bibliothèque en train de se laisser en fait, lire par les autres livres de la bibliothèque. On le prend, on le lit tout simplement et on s'amuse en prenant du plaisir avec les livres. Voilà, c'était le petit message que je voulais vous passer. Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne en haut à gauche ou à droite. Et vous pouvez aussi nous suivre sur le blog www.destinationrentier.fr, sur la chaîne YouTube et sur la page Facebook. Je vous mets les liens en bas et on se retrouve à bientôt. Ciao!